Et bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur l'épisode 23 de mon LP. Alors aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisque je vais m'essayer au timelapse. Donc au timelapse. J'ai ici emprunté le compte d'un de mes garçons, voilà, donc je me suis positionné là. Et ce qu'on va faire pendant ce LP, c'est qu'on va construire une extension ici, parce que je trouve que c'est particulièrement moche de devoir sortir pour rentrer ici, vu que j'ai fermé, l'entrée avant se faisait par là, vu que j'ai fermé. Et donc je vais faire une extension avec une ouverture ici. Mais avant de faire ça, donc la raison du timelapse, c'est qu'il faut que je vire ces gros trucs que j'ai fait là. En fait, donc je vais me retrouver avec une quantité de charbon phénoménale. Bon, je pense que je vais pouvoir gérer ça, ou j'irai le mettre entre temps. Voilà, donc d'où le timelapse. Je vais y arriver. Et j'ai une fortune 3 qui est, voilà, qui est bien en forme. Donc, eh ben, écoutez, en avant le timelapse.
Et voilà, on se retrouve donc les deux. Enfin, les deux. Voilà, je suis. Une... Il est toujours là. Donc, toutes les amoncellements donc, sont enlevés. Vous avez vu, j'ai un petit peu taillé aussi là. Donc, je verrai un petit peu là comment je vais protéger ça à l'avenir. Parce que voilà, ça risque de poser un petit peu problème. Et puis maintenant, on va s'attaquer. Donc, on va mettre une extension ici. On va mettre une extension ici et par la suite, je referai les deux toits, enfin les deux avancées. Donc celle qui est ici, celle qu'on voit ici et la même de l'autre côté, je vais les faire un petit peu avancer. Donc, eh ben écoutez, je pense qu'on va, alors je sais pas trop comment je vais faire pour la suite. Ben écoutez, à tout de suite. On va regarder un petit peu si je fais. Du timelapse où je fais un petit peu des deux, un mixte timelapse et puis voilà, on pose ce bloc là ici, on se pose ce bloc là. Je vais voir ça, donc en tout cas, à tout de suite. Alors on va attaquer. Dans un premier temps, on va se faire un petit chemin ici. Bah allez, c'est parti. Ça, je pense qu'il va falloir y virer. Ça aussi. Et allons-y, on va casser tout ça. Alors, ça, c'est Vassil Touch, donc c'est bon. Ça frise un petit peu parce que j'ai plusieurs comptes d'ouvert, c'est pour ça. On va récupérer le verre. Hop, le bon, on le fera après. Voilà, ça se met en place petit à petit. Hop, j'ai beaucoup de bruit à l'extérieur aujourd'hui. C'est assez. Alors, c'est que là, je commence à avoir un peu beaucoup de choses. Il faut que j'aille virer la poudre. Et ça peut-être. Allez, je vais aller poser. Je vais aller poser en bas. Dans les coffres. Tiens, puis si on a le temps à la fin de l'épisode, on sera une poubelle de chaque côté là. Je vous montrerai comment on fait ça. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Allez, je vais mettre ça là pour l'instant. Ouais, non, je les prendrai au pire. Et ça, voilà, ces trois là. Par contre, ça, j'en ai pas en avoir assez. Je ne vais pas en avoir assez. Voilà, j'aille en chercher. Il va falloir que j'aille en chercher. C'est pas grave. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Ouh, pas trop tôt. Allez, maintenant on casse ça. Hop. Zut. J'en ai cassé un de trop. Ok, c'est reparti. J'ai toujours le compte là, parce que je sais pas. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai pas désactivé, parce que je pense que je vais refaire un petit timelapse. Voilà. Bon, je vous rassure, je vais pas. Maintenant que j'ai découvert ça, enfin découvert, c'est un grand mot. Mais maintenant que j'ai vu ça, je vais pas faire des timelapses toutes les 2 minutes non plus. Alors, par contre, ça va changer puisqu'on va commencer à descendre ici. Alors, je vous laisse 2 secondes. Je vais regarder un petit peu sur. Donc j'ai le même, bah, comme j'avais déjà dit, hein, j'ai ça mais en créa. Pour voir un petit peu ce que j'y ai fait pour pouvoir après ça. C'est comme sur Born to Mine, on a aussi le. Enfin c'est pas le même. Comment dire, c'est pas le même monde qui est en créa, mais on a une zone créa pour regarder ça. Moi j'ai mis dans le même monde, j'ai fait une copie, et hop j'ai mis en créa pour pouvoir faire les mêmes constructions et avancer petit à petit. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite après. Alors, donc je vais faire l'ossature extérieure. Ok, c'est pas grave. Ça comme ça, ensuite ici, on continue comme ça. Non, celui-ci. Ça.
Pareil. Les loups qui m'en servent toujours. Oh, ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est pas tomber dans le dans la mare au canard. Ok. Alors, j'ai fait pousser d'autres arbres parce que là, il va me falloir un max de bois. Et ça va vite aller à manquer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va faire le reste ici. Tac. Et comme ça. Alors ensuite, ici, hop hop hop. Voilà, je m'en doutais bien qu'il y en a qui allaient venir m'embêter. Hop, il y a d'autres, non, c'est bon. Si, s'il fout avec sa carotte, j'en ai pas de tagette. J'ai pas de place. Alors, ici, c'est tout bon. On va mettre ça comme ça. Alors, je vais regarder le pattern. On va en faire ensemble et puis après ça, je pense que je ferai les autres en timelapse avec vous. Allez, je vais regarder tout de suite le pattern parce que je l'ai pas en tête et on se reprend. Allez, c'est parti. Donc, excusez-moi pour les bruits de machin, mais j'ai mon voisin qui bricole et c'est particulièrement agaçant. Alors ça comme ça, ensuite bon, je ferai l'intérieur après, ensuite comme ça, ensuite hop, pareil ici, tac, voilà, ensuite, on a ça. Comme ça, un coup comme ça, et après ce sera sur le dessus. Il faut que j'attende d'avoir quelque chose de l'autre côté. Ensuite, mes barrières comme ça. J'ai tout préparé, hein, comme ça m'évitera de faire 40 000 allers-retours. Donc j'en ai une ici, une forcément de l'autre côté, ici. Et j'en aurai une là. Ok. Alors, il va me falloir ça. Par contre, je vais pas en avoir assez. Je ne vais pas en avoir assez. Et ici, il faut que je regarde un petit peu. Ouais, ici. Voilà. Et ensuite, ici. Encore une là. Et après, ça va arriver sur le dessus. J'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge. Ensuite, là, ben comme ça, celle-ci, je pourrais la mettre comme ça. Et l'autre par-dessus, parce qu'elle est ici. J'ai l'inventaire qui est archi plein. Mais c'est un peu tous les blocs qu'il me faut. Est-ce que je vais arriver? Hop, voilà. Là, vous avez une petite idée du pattern ici. Tac, tac, et ensuite, j'avais mis un comme ça, et un autre qui va aller là. Alors, est-ce que je peux casser le bloc au-dessus? Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, derrière, il va nous manquer ici un petit coup d'éclairage. Oups. Un petit coup d'air éclairage qui va se retrouver derrière celle-ci et derrière celle-là. Ok. Voilà, là il y a la même chose ici avec le rouge. Sauf que ça peut être simple. Hop. Ok, et ensuite il me faut du vert. Alors est-ce que c'est le bon vert? Ouais, c'est le bon. Et voilà, il me faut la même chose de l'autre côté. Donc il va manquer du vert, du rouge. Et ici, j'ai ça qui va aller, qui va sur le côté ici.
on va se mettre une petite moussie. Une craquette là-haut. Et deux stonebricks classiques. C'est assez... bon, voilà, je peux pas y faire grand-chose. Voilà, je vais mettre du classique et puis je reviendrai après dessus. Et là, ça ira. Donc là, il manque deux choses comme ça. Ah bah voilà. Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Donc il va manquer la stain clé et puis des vitres. Enfin pas la stain clé, la clé rouge, des vitres. Sinon vous avez le pattern un petit peu extérieur donc de mes fenêtres. Donc ce pattern là va être repris ici et ici. Et après on fera la descente ensemble parce que là ça va changer. Parce qu'en fait je vais faire un escalier donc qui va partir de là, qui va descendre là, hop, et qui reviendra ici. Ce qui fait que ça va... Ici, j'aurai un truc plein. Enfin, vous verrez. Vous verrez, ça va être chouette. En tout cas, ça rend bien, ça rend bien comme c'est. Tiens, je vais en profiter pour remettre les petits machins ici. Ça fait plus bois. Il va m'en falloir d'autres. Il m'en falloir encore. Alors, j'ai de la stone, la stone, la stone. Zut. Ah si, c'est là. Il m'en faut... deux, encore deux, hop, un ici et un là. Et ben c'est super. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser, je vais aller chercher ce qu'il me faut là. On biome met ça et puis on se retrouve. Et ben je pense que je ferai la suite en time lapse. Hein, ça m'a l'air pas mal comme ça. Allez, à tout de suite. Alors là je suis en train d'aller chercher, je suis en train d'aller au biome Mesa, et une petite astuce, quand vous êtes dans des longs couloirs comme ça, c'est tout pareil, vous voyez là pourquoi j'irais dans ce sens là plutôt qu'un autre, en fait c'est comme quand vous torchez dans les cavernes, en fait je torche à droite. Donc je sais que quand les torches sont à droite, ben ça va dans le sens où je vais à l'endroit. Et quand je reviens, et ben les torches sont à gauche. Donc comme ça, je sais dans quel sens je dois aller. Si vous torchez au milieu, ou n'importe où, d'un côté ou de l'autre, et ben en fait, vous ne savez pas dans quel sens vous êtes. Donc si jamais, ouais, dans un grand couloir comme ça, je sais pas moi. Allez, je vais miner ça, par exemple. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de lave derrière. Pour le coup, ce sera un super fail. Voilà, je suis en train de miner ça. Et puis après ça, je me dis, mais bon sang. Voilà, je tourne un peu dans tous les sens, je me machin, tout ça. Puis après, je reviens ici. Ah, mais dans quel sens je dois aller? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Et ben là, on n'en sait rien, s'il n'y a pas de torche. Mais là, on le sait, s'il y a des torches. Vous avez compris l'astuce? Voilà, c'était juste la petite... l'astuce... la béro-astuce, on va dire. Allez, je vais aller miner ma clé rouge. Je vais aller miner ma clé rouge. A tout de suite donc pour la suite de la construction. Allez, on se reprend, on va aller finir ce bazar. Même topo que de l'autre côté.
Même topo que de l'autre côté. Hop, hop. Bon, je fais pas un tamias pour ça, hein. C'est pas hyper intéressant. Alors que je regarde un petit peu. Et là au milieu, ok, on a le truc. Alors, donc j'ai fait les petites provisions. Ça va être comme ça. Tac. De l'autre côté, après, ça va être coupé. Ça. Ah ouais, c'est un cran de plus. C'est un cran de plus. Voilà, pour l'instant, je vais mettre de la stone brick comme ça. Et puis, je monterai. Enfin, je changerai les blocs après au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, ici. Comme pour l'autre côté. Hein. Hop, comme ça. Ici du verre. On va mettre celui-là d'abord. C'est deux qui me restaient. Hop. Voilà. Et ensuite, là maintenant, on va mettre les slabs. Les slabs. Je vais faire les provisions parce que figurez-vous que. J'ai perdu mon. Enfin, ouais, c'est le stuff. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. En fait, comme j'avais deux comptes d'ouvert sur ce. J'avais deux comptes d'ouvert donc sur ce jeu-là. Et en fait, ce que j'avais dedans, heureusement qu'il me restait pas grand-chose, en fait, a disparu. Encore un mystère impressionnant quand même. Ça a disparu, donc j'ai dû. Et puis j'avais l'ancien inventaire en fait, donc extrêmement étrange. J'ai trouvé ça très étrange, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, je reviens comme ça. On va se mettre comme. Ouais, c'est le même niveau. Non, c'est au-dessus, je mets comme ça. Enfin, bon, bref, ouais. Bah là je m'en fous, je peux être comme ça. Là je m'en fous. Et puis voilà, ce que j'avais oublié de l'autre côté, c'est des petits trucs comme ça. Là faut que je regarde si. Ou oh, si j'ai dû mettre ça. Pas sûr. Pas sûr. Bon, je verrai. De toute façon, après on va remonter encore d'un étage. Et puis il y aura une terrasse là-haut. Ça va être magnifique. Allez, on recommence de ce côté-là. Hop. Ici. Ici. Voilà, comme ça on construit un petit peu ensemble, c'est sympa aussi. Non. Là, il n'y en a pas. Un petit tour sur ce que j'avais fait, mais bon, a priori ça me va comme ça. Ouais, et là il me faut ah, et oui hein. Ça me semble bien, j'avais un truc là, je suis dit, mais bizarre, c'est mieux que la seal touch de casser ça parce que vous risquez. Ah non, allez hop, ça. Sinon vous aurez peut-être pas forcément 4 poudres. Et donc du coup ben, vous allez perdre. Enfin vous en aurez moins en fait. Hop. Ouais, c'est là qu'on en met un moins. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ici, on met ça. Hop, hop. Le petit verre qui va bien. Il est où le verre qui va bien? Il est où? Il est là.
Bon, pour l'instant, il pleut dans la maison, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire ça depuis l'extérieur, parce que là, du coup, je suis prisonnier de chez moi. Voilà, ensuite, ça. Alors, on a dit qu'on mettait ça. Non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, il me semble. Hein. Ouais, ça va sur le dessus. Mais oui. Il est sympa ce pattern. Je le trouve sympa. Ensuite, on reprend ça. Non, un là. Un là. Et non. Là-dessus. Non. Oh, décidément, j'ai pas le. Ouais, c'est au même niveau. Par contre. Ouais, si, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Et là, maintenant, on remet les trucs en bois. Hop. Tac. Après, je passerai au-dessus. Voilà. Ouais. Bon, ça va déjà un petit peu mieux, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, on mettra des mossy, des crackheads et tout ça. J'en ai pris, voilà, j'ai pris ce qu'il fallait pour avoir ce qu'il faut. Bon, voilà, c'est bon. Bon. Écoutez, le reste, je vais voir ça. Alors là, je vais creuser aussi, comme ça, je vous montrerai après. Hein, c'est pas. Voilà, je voulais juste rester avec vous pour voir un petit peu ce pattern-là. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, ben, on se retrouve. Je vais continuer un petit peu de mon côté. Et puis, on se retrouve un petit peu, ben, pour le petit mot de la fin. Et puis, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on se reprend pour terminer donc cet épisode. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, ici, donc là, je suis au deuxième étage. J'ai ouvert ici, donc j'ai aménagé ça un petit peu mieux, bien sûr. Ici, il y aura une terrasse, donc là, ça va remonter un petit peu. Ici, il y aura une terrasse avec une sorte de pergola et puis des lianes au-dessus, un peu comme ce que j'ai fait en haut. Hein, je vous remontre un petit peu. Enfin bon, ce sera pas exactement pareil. Voilà, là, j'ai fait un petit truc un peu protégé ici. Voilà, si je passe sur le verre ici, voilà, j'ai fait un petit truc protégé. Ça ressemblera un petit peu, mais ce sera quand même pas ça. Ensuite, bon, on va descendre. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc maintenant on reste dans la maison. Donc là, bien sûr, ça va être couvert parce qu'il y aura la terrasse au-dessus. Donc là, maintenant, on a un escalier double pour descendre au sous-sol, là où on a accès. Donc, ma petite usine à mâche. Le portail pour le Never. Et puis ici, la salle des coffres. La prochaine fois, on fera un petit peu de resto, on fera une petite poubelle, enfin on en fera deux, on en fera une ici, puis une de l'autre côté. On en fera une de chaque côté, donc c'est un coffre, enfin c'est tout simple, je vous expliquerai ça la fois prochaine. C'est un coffre avec un hopper, et quand le hopper, il y a des choses qui vont dedans, ça jette sur un cactus. Rien de plus simple, mais bon, on le fera ensemble. Un petit truc sympa. Avec un hopper et puis un comparateur. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc avec les deux timelapses que voilà que j'ai essayé de faire. Enfin pas que j'ai essayé, que j'ai fait. Donc nouvelle petite chose. Donc du coup, ben, si ça vous plaît, j'en mettrai peut-être deux de temps en temps. Pas trop, parce qu'après. Voir quelqu'un éliminer des blocs, c'est pas forcément le plus intéressant, mais peut-être construire quelque chose en timelapse, ça peut être sympa. Les fondations d'une maison, enfin bon, bref, je verrai un petit peu ce que je peux faire là-dedans. Et puis, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, un pouce, je sais jamais quelle couleur ça a, bleu, vert, je m'en rappelle plus. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt donc pour un prochain épisode sur le LP. Ce sera donc l'épisode numéro 24. Au revoir à tous. Bye bye.